Buongiorno, primo voglio scusarmi di non essere qua, è impossibile per ragione che non sono capace di cambiare. Mi scuso principalmente perché questa conferenza è essenziale e perché eravo in contatto con molto tempo con il senatore D'Alfonso. Per organizzare questa conferenza dove devo parlare di cittadinanza europea, diritti fondamentali e pareggi di bilancio. Mi scuso di dover fare questo in francese perché, come si può sentire, l'italiano è lontano e non sono capace di fare la conferenza in italiano. Allora vado a parlare francese e spero che sarà possibile per lei di capirmi così. Grazie. Dans ce monde globalisé, chacun a le sentiment de perdre ses repères. Pour autant, même s'il est nécessaire de construire une unité européenne qui donnera à l'Europe la force nécessaire face aux grands États que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde et demain les grands États africains et évidemment aussi la Russie, il est essentiel de préserver l'unité nationale et pour cela de construire et de maintenir les instruments nécessaires, c'est-à-dire d'abord l'État, les autorités régionales, les lois nationales, la langue, la culture et tout ce qui fait notre identité et nos différences qui font la richesse spécifique de l'Europe. Toutes les grandes nations, d'ailleurs, ne sont grandes que dans leur diversité. Donc il est essentiel de maintenir l'État-nation dans la construction de l'Europe qui doit être un ensemble construit au-dessus des nations et non pas à leur place, comme il faudra un jour, pour les grands enjeux planétaires, construire une entité planétaire qui aura à traiter des questions qui ne peuvent l'être qu'à ce niveau, comme l'environnement, la fraude fiscale, les grandes inégalités, le sujet des mers et le sujet de l'espace, le sujet des grandes pandémies comme nous le voyons aujourd'hui. Il faudra un jour une sorte de gouvernance mondiale, une sorte de citoyenneté mondiale qui donnera à chacun des droits communs pour l'humanité. En attendant, il faudra aussi une gouvernance européenne qui donnera une citoyenneté européenne à tous les citoyens de l'ensemble de l'Europe, mais il faut évidemment avant tout faire vivre la démocratie là où elle doit vivre, au plus près des citoyens. Si elle ne peut pas vivre dans les villes, dans les régions, dans les nations, elle va mourir et des dictatures les remplaceront. Donc il est tout à fait important pour nous tous de rendre notre démocratie locale, de notre démocratie nationale beaucoup plus vivante et pour cela de donner de nouveaux instruments à cette démocratie locale et à cette démocratie nationale, de faire que la citoyenneté soit riche, pleine, qu'elle puisse s'exprimer, qu'il y ait davantage de formation à l'idéal politique de la démocratie, beaucoup plus de connaissances qui soient enseignées à l'école, beaucoup plus de distance prise à l'égard de ce que les réseaux sociaux nous enseignent et déforment, nous permettant de nous défendre contre les fausses nouvelles, contre les mystifications, contre les manipulations, les rumeurs qui empoisonnent le monde et de plus en plus vont empoisonner la démocratie. La citoyenneté ne consiste pas seulement à voter une fois de temps en temps pour des élections ou des référendums. Elle consiste en permanence à comprendre ce qui est en commun, ce que nous mettons en commun. Et qu'une nation n'est pas une juxtaposition d'individus solitaires, narcissiques et obsédés par leurs intérêts à court terme. Une nation, c'est une citoyenneté qui rassemble des individus capables de comprendre et de vouloir travailler dans l'intérêt des générations futures. Ce que j'appelle pour ma part une citoyenneté positive, une citoyenneté qui ne soit pas seulement liée à nos intérêts immédiats, mais liée à ce que nous voulons faire de notre nation dans l'avenir.
penser l'avenir, c'est vivre le présent mieux et créer les conditions pour que nos enfants et nos petits-enfants soient reconnaissants de ce que nous avons fait pour eux dans notre pays et ailleurs, et ainsi aident à ce que notre vie aussi soit réussie. Une citoyenneté positive, c'est une citoyenneté altruiste, mais altruiste intéressée, car nous avons intérêt à être altruistes. C'est donc une citoyenneté qui doit être pleine et entière dans la formation, dans la responsabilité, dans la prise de conscience de ce que nous avons en commun, de nos trésors communs à défendre et de créer les conditions pour les défendre. Au-delà de la nationalité et de la citoyenneté nationale, il convient de parler de la citoyenneté et de la nationalité européenne. Je disais tout à l'heure que la citoyenneté, c'est d'abord le droit de vote, à tous les niveaux. Mais c'est bien au-delà que le droit de vote, c'est l'obligation de s'impliquer dans la société et de s'impliquer à l'égard des générations futures qui sont l'essentiel de notre patrimoine commun. Nous sommes ce dont nous avons hérité et nous sommes ce que nous laissons à nos enfants. À l'échelle de l'Europe, tout est à construire. Quand on regarde l'Europe, lorsqu'il y a eu des tentatives d'unité, elles ont toujours été faites du haut vers le bas par un conquérant qui a tenté de prendre le pouvoir et qui a asservi des peuples dans cette intention. C'est le cas de ce qui s'est passé avec l'Empire romain, avec l'Empire romain germanique, puis ensuite avec différents conquérants comme Napoléon et malheureusement d'autres épouvantables dictateurs comme Adolf Hitler. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire en Europe, c'est contre ces tentatives de citoyenneté européenne imposées par un dictateur, une citoyenneté européenne voulue par les citoyens. C'est-à-dire une façon de créer une nation, non pas par le haut, mais par le bas, dont nous connaissons aujourd'hui qu'un seul exemple réussi, c'est celui de la Suisse, qui a su construire une identité et une citoyenneté suisse, non pas à partir d'un conquérant venu d'une partie de ce qui sera la Suisse, mais venu de quelques cantons qui se sont fédérés pour lutter justement contre l'influence de l'Empire romain germanique. C'est cela que nous sommes en train de construire en Europe. Les Suisses ont mis 4 siècles à y parvenir. Nous n'avons pas 4 siècles, car si nous ne construisons pas l'identité européenne, la citoyenneté européenne dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, si nous ne continuons pas à la construire, alors l'Europe et les nations vont être balayées par la nouvelle puissance qui va tout emporter comme un tsunami, qui ne sont pas les États-Unis, qui n'est pas la Chine, contrairement à ce qu'on croit, mais qui est le marché, les grandes entreprises. Demain, si nous ne construisons pas une vraie puissance européenne avec une citoyenneté, le maître du monde ne sera pas la Chine ou les États-Unis, le maître du monde sera Facebook et quelques entreprises de ce genre qui écraseront les nations et feront un gouvernement mondial dans leur intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt du seul capital. C'est cela que nous voulons et que nous devons éviter, d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle européenne, puis ensuite à l'échelle mondiale. Pour y parvenir, il faut construire une citoyenneté européenne pleine et entière, avec tous les instruments de la citoyenneté. Le vote, l'État, la justice, le gouvernement, c'est-à-dire les 3 éléments du pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ceci est en train de se construire progressivement avec ce qui se passe à Bruxelles et cette citoyenneté qui commence à s'installer dans les domaines économiques, monétaires, financiers. Malheureusement, elle ne l'est pas encore dans le domaine législatif autant qu'il serait nécessaire, puisque le Parlement européen a trop peu de pouvoir, parce que l'exécutif européen lui-même est aussi très divisé, et parce que les compétences sont encore extrêmement faibles. Pour aller plus loin dans cela, il serait important d'avoir d'abord une politique étrangère européenne beaucoup plus commune, une politique de défense européenne beaucoup plus commune, et d'avoir pour cela assez vite, disons dans les 10 ans qui viennent, une véritable armée européenne qui viendrait compenser le fait que les États-Unis ne seront plus là bientôt pour nous défendre. Les Européens doivent comprendre que l'Europe est seule sans une aide américaine qui n'est plus là et qui ne sera pas là, et que si nous sommes attaqués par qui que ce soit venant du sud, de l'ouest, du nord ou de l'est, nous n'aurons pas l'aide des États-Unis.
Tant que nous n'aurons pas compris ça, nous ne construirons pas vraiment une citoyenneté européenne qui doit d'abord être pour moi une citoyenneté de défense et une citoyenneté de défense qui doit être une protection de nos valeurs, de notre histoire, de notre culture, de tout ce qui nous a rassemblés, qui est à la fois des phénomènes religieux, mais aussi des phénomènes liés aux Lumières, aux droits de l'homme, à la laïcité, et ce qui nous permet d'être aujourd'hui l'endroit le plus privilégié de la planète. Donc, il faudrait aller vers non plus seulement des passeports nationaux, mais des passeports européens qui viendraient compléter le passeport national, des élections dans lesquelles on voterait non plus nation par nation pour un Parlement européen, mais dans lesquelles on voterait ce qui est un rêve difficile à réaliser pour des listes multinationales, véritablement européennes, pour faire au niveau national ce qu'on a fait et ce qui est si important de continuer à faire, comme je le disais tout à l'heure au niveau national, c'est-à-dire définir le commun. En Europe, le commun, c'est une protection de nos frontières contre des produits qui seraient de mauvaise qualité, c'est une protection de notre environnement et de notre climat, c'est une protection de notre possibilité de maintenir notre niveau et notre mode de vie en contrôlant, en régulant tous ceux qui viennent d'ailleurs, tout en sachant que l'Europe a intérêt aussi à accueillir les bras ouverts un grand nombre de talents, ce qui ne veut pas dire des diplômes, venus du reste du monde. C'est ça ce grand projet européen qui nous reste à construire en matière de citoyenneté. S'il faut traiter la question de la citoyenneté nationale, de la citoyenneté européenne, il faut aussi revenir pour conclure sur une autre forme de citoyenneté qui est celle de la ville, qui va être essentielle, en particulier en Italie, où la nation a été construite par la ville. C'est la ville qui a construit la nation. Les villes, puisque les grandes structures italiennes ont été d'abord Venise, Gênes, Florence, Rome, et d'autres villes comme Naples et toutes celles que vous pouvez nommer, avant qu'il existe un État italien. Les villes vont rester la grande structure de l'avenir, la grande puissance de demain, la grande puissance à construire dans l'avenir. La ville est un être très particulier. C'est le seul être vivant qui peut rajeunir. C'est le seul être vivant qui peut rajeunir. Et ça, c'est fascinant. Demain, on le sait, 60-70% de la population mondiale vivra dans des villes. Il ne faudra pas oublier les autres parties du territoire qui devront être reliées. Mais les villes vont devenir à la fois nécessairement plus peuplées, plus intelligentes. Le concept de smart cities a toujours été vrai. Les villes ont toujours été extrêmement intelligentes. On réinvente ce concept. Mais il faut que les villes soient aujourd'hui, et nous y travaillons dans la fondation que je préside, des villes positives, c'est-à-dire des villes qui travaillent dans l'intérêt des générations futures, comme la nation doit être une nation positive. Nous avons fait, d'ailleurs, dans cette fondation, le classement des pays les plus positifs et des villes les plus positives. L'Italie n'a pas un bon classement dans la positivité parce que l'Italie, aujourd'hui, comme la France, ne travaille pas assez dans l'intérêt des générations futures et les bons modèles sont à trouver en Europe du Nord. De même, les villes positives sont les villes qui préparent le plus leur avenir, qui savent ne pas se trouver dans la situation désolante de bien des villes européennes et de bien des villes italiennes qui, en termes d'environnement, de protection de la nature, de protection de leur patrimoine culturel, ne sont pas à la hauteur des enjeux et des merveilles qu'ils possèdent. Donc, protéger le patrimoine, c'est un élément essentiel de l'avenir. C'est un élément essentiel de la préparation d'une ville de demain. Donc, toutes les décisions dans les villes doivent être prises en fonction de l'intérêt des générations futures, de façon à ce que la ville reste jeune, redevienne jeune, c'est-à-dire soit au service des jeunes de la ville. Si on veut d'ailleurs qu'il y ait des jeunes dans la ville, si on veut qu'il y ait des jeunes dans le pays, des jeunes en Europe, il faut travailler dans leur intérêt. Et l'effondrement démographique démontre l'absence de cet intérêt. Donc il va falloir utiliser toutes les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, pour l'agriculture urbaine, pour l'ensemble des façons de penser l'organisation des réseaux urbains, son relation avec l'extérieur, sa relation avec l'agriculture qui la nourrit, le développement d'une ville verte, une ville écologique, une ville qui utilise beaucoup moins d'automobiles, qu'elle soit à combustion ou qu'elle soit électrique. Je ne crois pas que la voiture électrique soit l'avenir. Pour moi, l'avenir est dans les transports collectifs et dans les transports véritablement physiques comme la bicyclette. On verra bientôt que la voiture électrique constitue une source de dommages énormes, en particulier pour la gestion
des batteries. Donc il faut repenser tout cela, et pour cela les architectes, les industries de l'ensemble des secteurs qui se trouvent réunis dans la région où vous êtes sont fondamentales. Je crois beaucoup en l'avenir des villes italiennes qui sont des modèles magnifiques pour l'avenir du monde. Nous avons tous beaucoup à apprendre de l'Italie sur cela comme sur beaucoup d'autres. Je me réjouis à l'idée de travailler dans l'avenir avec vous pour cela. Merci beaucoup.